en 2024. C'est un monde doux, sans violence apparente, qui règne sur la terre. Ni meurtre sanglant, ni tuerie, ni guerre. Rien ne trouble la vie quotidienne des gens. Le progrès technique a rayé l'arme à feu. La seule chose qui fait peur, ce sont des maladies étranges et rares, mais très peu répandues. Des épidémies qu'on s'explique mal s'emparent de quelques personnes et ça suffit pour que les autres s'enferment dans leur maison et leur ville. Dans cette vie, tous comme coton d'anesthésie, à la bouche, vivent évidemment ceux qui ont créé cette situation. Une mafia d'électroniciens, biologistes, camouflés sous le rôle de comédiens. C'est elle qui dirige le destin du monde à la manière des trois mousquetaires recyclés. Cette situation empêche une guerre atomique entre les individus, entre les pays, et permet d'attendre une nouvelle découverte qui la rendra impossible. Mais la découverte ne vient pas. Alors, la clandestine et très secrète internationale des fonctionnaires dirige comme elle peut cette attente qui commence à être longue. Sur fond de ciel nuageux et du palais du Luxembourg se dessinent deux silhouettes assises face à face au bar Le Petit Suisse, derrière le théâtre de l'Odéon. Igor fait des gestes incertains, pendant que Peter parle. Dans le silence matinal de l'été, on entend bien la voix de Peter. Ce soir, c'est la première. Ah. Et tu y vas? Je prends le train à 12h. Tu ne seras pas en retard? Ou pour les fleurs, je serai à temps. J'aime pas le théâtre. Et les amis? Tous sont déjà sur place. Ou le seront. Je l'ai tellement qu'elle me donne
un rôle dans cette pièce. Je les connais tous, par cœur. Je pouvais jouer Aramis. Nous sommes toujours des amis, non? Tu es trop beau, Igor. On aurait vu que toi sur scène. Et être trop beau, ça gêne, hein? Al n'aime pas ça. Un café. Tout est blond nickel. Un Perrier, s'il vous plaît. Un café, un Perrier. Deux Perriers. Derrière une vitre, on voit le profil d'Al. On suit son regard qui s'arrête consécutivement sur des groupes de jeunes et moins jeunes assis en rond sur la place de l'horloge. Nous sommes au mois de juillet et le festival bat déjà son plein à 11h du matin. On entend les voix de Peter et Igor sur scène. Et être à Paris. Ça gêne, hein? Al n'aime pas ça. Al scrute maintenant plus attentivement qu'avant, les jeunes assis en groupe, comme s'ils cherchaient quelque chose sur leurs vêtements. Derrière son dos, presque dans sa nuque, deux voix mène une conversation qui la fait se retourner de temps en temps pour jeter un coup d'œil sur André et Julie. La voix sincère d'André dit: Entrez, Julie. Julie, entrez. Julie, on vous a demandé de faire un travail précis et rien d'autre. Vous mettez les paramètres dans l'ordinateur, vous attendez le résultat, et une fois obtenu, nous ferons la vérification. Il n'y a pratiquement rien à trouver, si ce n'est un chiffre différent du précédent, un 2 au lieu d'un 5, dans une formule empirique où les constantes sont obtenues par plusieurs expériences, sans qu'on sache pourquoi elles ont cette valeur. Depuis 2 ans,
J'essaie de travailler sur ce thème. Mais programmer l'ordinateur sans penser, c'est dur pour moi. Il faut que je pense. J'ai fait une dépression. J'ai pris beaucoup de médicaments. Beaucoup. Une constante, c'est une constante. Je ne comprends pas. Il y a des milliers de constantes dans des formules empiriques qui n'ont pas d'explication. Il faut être humble. Vous voulez quoi exactement? Un diplôme de troisième cycle, c'est une petite brique qu'on met dans le mur de la recherche avec celle des autres. D'autres font des découvertes. C'est important pour moi de faire quelque chose d'utile. Ah, parce que vous voulez faire de la science? Merde, il faut être humble. Une vague d'approbation et de tendresse passe sur le visage d'Al pendant qu'elle écoute Julie. Combien de scientifiques restent dans leur trou? Des décennies et des décennies sans oser dire à personne qu'ils ont trouvé quelque chose. Et vous, Julie? Vous venez ici en criant « J'ai une idée géniale !» Chimiquement, les astéroïdes sont le passage obligé des planètes. Et le noyau de la Terre est constitué d'acier d'après des processus bien connus de l'Antiquité que l'homme utilise toujours dans les hauts fourneaux. C'est bien cela, n'est-ce pas? D'après vous, Julie, qui a piqué l'idée à l'autre? La Terre à l'homme ou l'homme à la Terre? Si c'était si simple... Mais les idées géniales sont très simples. On ne peut pas être planète si on n'a pas été astéroïde d'après tes idées. Peut-être vrai. Peut-être. Mais chaque mot, chaque phrase, chaque virgule doivent être vérifiés. Les grands chercheurs sont surtout humbles. Mettez votre petite brique dans le mur du silence, de la recherche. Et vous aurez votre diplôme. Je ne veux pas de ce diplôme. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si à la fin du mois de septembre, vous n'avez pas présenté votre thèse, vous serez obligé de restituer la bourse d'étudiante que vous avez perçue ces 2 années. Contactez-moi quand vous aurez le résultat. Mais à Paris, nous ferons la vérification des données. Et Julie qui revient voit, en même temps que Al, André, debout, avec un gros tome de chimie minérale. En main. Tu ne le laisses pas. Demain, je me... Pardon? Je voulais juste... vous dire au revoir. Je voulais vérifier quelque chose.
Les regards de Julie et Al se croisent. Et tandis que Julie, au bord des larmes, referme la porte, Al sourit. Tu ne lui laisses pas de marge, André. Maintenant, on voit bien ce cabinet de chercheurs équipé richement d'électronique, couverte de poussière et qui tranche étrangement avec l'architecture moyenâgeuse et les meubles anciens de la pièce. Vérifier quelque chose. Écoute, tu ne vas pas publier l'idée de Julie comme si c'était la tienne. Dix mille, vingt mille, combien on te paye à l'université pour diriger des travaux de ce type et faire passer un examen de doctorat comme celui de Julie? Dis, combien? Apparemment, elle ne veut pas écrire des conneries, hein. André, tu veux que je te prête? Que je te donne cet argent? Mais pourquoi? On lui demande de faire son petit truc dans les meilleures conditions au monde. La commission ne posera pas plus de questions qu'il n'en faut. Ah bon? Comme directeur d'études, je n'ai pas d'exigence sur le thème. C'est elle qui le trouve bidon. Elle veut l'élargir à d'autres domaines, à la chimie des astéroïdes. C'est intéressant, ça. Non, je ne peux pas. Et pourquoi? Depuis 2 ans, elle ne fait rien. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne l'ai pas vue souvent. Ah ben voilà. Bon. Elle sait que son thème est bidon. Bon. D'accord. Elle se rebiffe. Bon. Al regarde de nouveau à la fenêtre. Et André suit son regard. Sur la place de l'horloge, Julie écoute les paroles d'un homme au crâne lisse. Il lève de temps en temps les yeux en direction de Al et d'André. Les deux se regardent et de nouveau se concentrent sur l'homme au crâne lisse.
André observe Julie à travers la vitre. De toute façon, je lui donnerai l'examen. On est quatre dans la commission. On se rend service. Et la loi est de rigueur. Mais si les chimistes viennent se mêler à l'astrophysique, il faudra que ce soit un vrai examen. Avec un vrai thème. Et un petit grain de recherche au moins. Et ce n'est pas le cas. Non ! Combien ? Je ne peux pas ! Si elle ne passe pas l'examen, je suis grillé aussi devant le rectorat de l'université. Mais pourquoi ? Officiellement, j'ai dû lui donner plusieurs heures de consultation. Des heures que je déclare régulièrement depuis 2 ans. Donc, tu es mauvais professeur. Mais je n'ai jamais eu le temps ! Entre les laboratoires du Brésil, d'Oxford et du Japon, j'ai passé seulement 3 mois à Paris cette année. En plus, il a fallu que je joue dans tes pièces de théâtre chaque été. Et puis, il y a eu tous ces congrès. Ah, c'est dur, les congrès scientifiques. Il faut t'interdire de si mauvaises fréquentations. André, il n'y a pas moyen de rusher même ce qui ne t'appartient pas. Tu crois que tu as vraiment autant besoin que ça de Julie? Mais elle est comme ma fille. Elle aurait pu travailler dans le rêve comme moi. C'est intéressant ce qu'elle dit sur les astéroïdes. Oui, c'est intéressant. Mais comme elle l'a dit, quelle arrogance! Tu veux cet argent? Tu veux, mais tu ne peux pas. Prends quand même. Son diplôme bidon, tu lui donneras même s'il est mort. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Oh. Al pose sa tête sur l'épaule d'André le temps d'une seconde. On croit qu'elle est faible, inquiète. Mais elle se redresse et se colle de nouveau à la vitre. D'où rentrent les bruits des premières fanfares de la fête. L'horloge bat les 12 coups. Il est midi. Le train démarre de la gare direction Avignon.
jardin du Luxembourg, Igor regarde l'horloge du palais. Elle sonne les 12 coups. Igor se met à marcher autour du bassin où un enfant joue à guider son bateau. Tourne. Tourne sur toi. Tourne. C'est un bateau qui reconnaît la voix de son maître et lui obéit. Igor tous et dit au bateau: Tourne sur toi. Tourne. L'enfant ne remarque même pas cette intervention. Il dit à son bateau: Brezou, on rentre. Le bateau s'approche. Il le sort de l'eau, le prend sous le bois et l'éloigne. Igor reste seul devant le bassin. Tourne. Le train traverse la banlieue parisienne. Le beau rire aux dents blanches de Mira s'arrête. Vous nous donnez tout ça? Vous me donnez tout ça? La somme est énorme. Mira et André sont assis à la terrasse d'un café sur la place de l'horloge. Ils déjeunent. Tous les regardent discrètement. À travers la vitre d'une voiture blanche arrêtée à quelques mètres du restaurant, un jeune homme blond les regarde aussi. Je ne donne rien à personne. C'est la Ligue contre la drogue. Je ne suis... que le président. Son regard s'arrête, distrait, sur la voiture blanche. Mira regarde la même voiture avec inquiétude. Il se regarde. Mira se prépare à partir. Juste avant de se lever, la porte de la voiture s'ouvre. Les deux voient le grand garçon blond se dirigeait vers eux, les yeux fixés sur André. Son maigre corps se plie devant eux. Il s'assoit, puis s'allonge à leurs pieds, les bras sous la tête, comme dans un champ de blé. Ses yeux, fixés jusque-là sur André, se ferme, heureux, et il dit: je veux être
comédien. Je suis comédien. Et il arrête de respirer. Mirin plisse les yeux, cloué sur sa chaise. André passe sa main dans ses cheveux pensifs. La lumière du soleil devient légèrement grise sur le visage du garçon mort. Le gros videur du restaurant s'agenouille, prend le garçon dans ses bras, le soulève du sol comme un enfant et l'emporte à l'intérieur. Au revoir. L'air absent, André regarde devant lui les pieds des gens qui passent interminablement. Il se concentre sur un attaché-caisse, le reconnaît et baisse la tête pour éviter la femme. Ses souliers anglais ont l'air d'hésiter devant les siens. Puis s'arrête une seconde. André ne lève pas plus haut son regard. Alors, les souliers repartent. C'est la noire. André le sait. Peter et sa petite fille, Lily, déjeunent. On entend une voix dire... Les gens. Se sont calmés. Pas beaucoup de remous. À l'ombre. Sous les arbres. Dans les champs. Il regarde la télévision. La production stagne, mais on va remonter la pente. Monsieur Ping-Pong a à peine fini sa phrase quand Lily lève les yeux de son assiette. La productivité du porc a baissé cette année. L'espoir est grand qu'elle remontera, n'est-ce pas, papa? Peter approuve silencieusement sa fille, tout en avalant sa côtelette. Je sais. Que les résultats du croisement fait dans les années 80 du siècle dernier, entre porc chinois et porc français, ont donné cette année un nouveau porc à 0,001% de matière grasse le kilo. N'est-ce pas, papa? Monsieur Ping-Pong confirme silencieusement et se tourne vers Peter.
Donc ? C'est plus dans le train. La robe de Lily est salie. Elle ne sera pas contente. Lily ramasse la glace de sa robe. Les deux grands, Peter et Ping Pong, se regardent. C'est vrai. Al remarquera beaucoup plus ta robe que toute autre chose. Heureusement qu'elle voit encore ces comédiens. Malheureusement, pour elle et pour nous, elle a du talent. Ça lui tourne la tête. Lily regarde, furieuse. Sur une plateforme roulante, un garçon, le même visage que celui qui vient de mourir au pied d'André, et Mira invite le public au spectacle des deux frères jumeaux. Bien. Mais oui, bien. Du rire, de la danse, de la satire, avec un vrai satire. Les satires, ça existe, la preuve. Al serre les dents, passe la main sur son visage, puis se lève. Son regard croise celui de l'homme au crâne lisse qui émerge de la foule. Elle fait quelques pas vers lui, puis change de direction. L'horloge sonne. Il est 13h. La loge de Nada est toute petite. Elle pleure, appuyée. Les mains et le visage sur la table. Devant le miroir. Nicolas tend la main pour la calmer. Garde dans le couloir. Tout est noir. Elle ne voit personne. Mais la faible lumière de sa porte entrouverte se voit de loin.
l'homme au crâne lisse observe de loin la loge de Nada. Un clochard d'une cinquantaine d'années, Parisis, l'air affairé et dynamique, grimpe rapidement une petite rue d'Avignon. Un autre clochard, le vieux Mistral, très digne, barbe blanche de vieux patriarche du Midi, l'accompagne. Un attroupement spectaculaire de clochards attend Parisis dans un encart, derrière une église, au centre de la ville. À son entrée, le silence s'installe.
Assis sur une caisse, Parisi Slot sort son carnet. Un homme, aux yeux intelligents, mais avec une barbe sauvage qui couvre presque tout son visage et des cheveux lents et sales, s'approche de lui. T'as placé où, Bibo ? Sur les marches de l'hôtel Continental. Bon, pour toi, le spray, ça suffit. Et tu dis... Non, tu dis rien. Tu mets simplement sur ta poitrine. J'ai faim. C'est tout. Bon, d'accord. C'est tout. Bon, d'accord. Un autre homme, au visage rond et joufflu, très roux, s'approche de Parisis. T'as placé où, au bistrot ? Sur le marché du Palais des Papes ou l'autre théâtre. Théâtre des Carmes, tu veux dire ? Oui, mais il n'y a pas de marche. Ce sera bien si tu as des plaies saignantes, couvertes de colle, que tu enlèveras en couches successives, comme si ta viande partait. Partait où ? Dans ta poche. Pas de traces sur les pavés, sinon les gens vont s'apercevoir que c'est du bidon. J'aime pas la saleté, c'est clair. Et aussi, il faut que ça ait l'air vrai. Hein. Si tu veux cette place, il faut absolument des plaies. C'est mieux payé ? Pour le pinard ? Ça suffit ! Bistrot, pour 100 balles de plus, ne fais pas ça. Parisi, j'accepte. Tu dis... Tu as peur ? Non. J'ai peur, mais je t'ai toujours fait confiance. Cette fois, Bistrot, tu parleras aussi. Tu parleras ? Ouais. Tu dis... Pas ici, Bibo, pas ici, ça pue. Tu dis, dans un rythme soutenu, hein. Ça fait mal, ça fait mal. Et tu grattes tes plaies. Ça va ? Et lentement, hein, tu prends ton temps. N'oublie pas, tu n'as pas de force. D'accord. Et si tu avais un problème... Bibo s'éloigne sous la surveillance de près du vieux Mistral. De loin, la foule de clochards ressemble à un troupeau de moutons avec un berger. Parisis. Gare, Peter, Lily, Ping Pong et son fils descendent du train. Jeune cadre dynamique. Elle le regarde, stupéfaite. Bistrot essaie d'éviter Emma.
Vous faites son ami très proche. Mais alors, tu fais du théâtre maintenant? Ou alors, tu as la veste? Et des pustules? Et des écailles? J'ai vu ta femme, hier. Elle ne m'a rien dit. Mais alors, Stéphane, je veux faire du théâtre, moi aussi. Bistrot lui échappe. Autour, personne n'a rien vu. Emma, étonnée, commence à flairer comme un chien autour d'elle. Elle sent ses mains. Dégoûtée, elle se précipite vers le premier café et se dirige vers les toilettes. Apparaît de nouveau Bistrot. Il attend son ami. Emma sort à la terrasse du café et regarde une seconde la foule passer. Elle voit Al qui se dirige à l'intérieur du café pour échapper à la curiosité de la foule. Alors, Emma s'assoit. Un long moment son ami. Et c'est clair que d'après ses grimaces, il l'aime et il ne l'aime pas. Puis, avec la foule, il passe très près d'elle et jette dans son café un cachet. L'odeur de Bistrot fait retourner Emma. Elle le cherche dans la foule, mais ne le voit pas. Alors, Emma boit son café. Son visage se couvre de sueur. Une fois, deux fois, elle ouvre la bouche. Puis, elle se fiche. Emma est morte. Et Peter vont chez la mère de Peter. Pendant qu'ils marchent, elle met la table. De temps en temps, elle jette un coup d'œil à la télévision. Dernière nouvelle du monde.
Un nouveau virus est découvert dans une des régions les plus perdues du monde. En Himalaya, à 6000 mètres d'altitude. Peter rentre dans la pièce et avant tout, ferme la télévision. Un de ces jours, je vais emporter pour de bon la télévision. Maman, je t'ai déjà dit de ne jamais la regarder sans me consulter. Est-ce que tu comprends que c'est très grave ce que tu fais? Tu m'avais dit que tu m'avais fabriqué une télévision qui choisit à ta place ce que je dois regarder. Tout a changé, maman. Peter, explique-moi comment tout change si vite, en même temps que personne ne se déplace. Ton père et moi, nous voyagions sans arrêt et rien n'est changé. Maintenant, personne ne bouge de chez soi et tout change autour. Explique-moi. Les gens gardent encore leur voiture en forme. Ils espèrent encore un jour rouler, puisqu'il y a de l'essence. Il y a tout. Et on n'a pas le droit de bouger d'un endroit à un autre. Moi, j'ai planté des géraniums dans notre vieille voiture. Très bien. Quand je viendrai, je les regarderai. Je t'en enverrai. C'est interdit. Et tu obéis? Maman, tu as tellement changé. Depuis que ton père est mort, je n'ai rien à perdre. Tu ne viens pas m'embrasser pour me dire bonjour? Ni Lily? Grand-mère, tu savais où il était. Tu serais tout de suite malade. Tu n'es pas vacciné. La grand-mère scrute attentivement le petit bras couvert de vaccins que lui montre sa petite fille. Tu lui as fait tout ça, Peter? Maman, on mange maintenant. Pendant que Lily et sa grand-mère mangent, Peter se lève et sort de la pièce. La grand-mère mets tout de suite la télévision. Lily se lève et avec l'air d'une personne âgée et responsable la ferme. Puis, va vers sa grand-mère et caresse tendrement gris. Marie. Sans parole, il l'embrasse.
comportements très spéciaux, très drôles. Les taches misères du brouteur. On voit des petits morceaux colorés qui couvrent certaines parties des corps, des mannequins. Hommes, femmes, enfants. On devine que la publicité s'adresse à des personnes qui ont des choses à cacher, très laides, désagréables, douloureuses. Je traverse le monde sans voir personne et je viens sentir que je vis chez toi. Tous les deux mois? Peut-être que je partirai. Où? Deux rideaux, et derrière, deux visages de femmes. Ils observent. L'une, la mère, l'autre, la maîtresse. Elle ne quitte pas du regard les gants noirs sur les mains de Peter.
Peter regarde vers la fenêtre de sa mère. Elle n'est plus là. Sa maîtresse observe chacun de ses gestes attentivement. Parfait, mon vieux, mais touche pas, hein. Dedans, c'est plein de choses en décomposition. Allez, viens. Mais alors, c'est un vrai clochard. Peter et Lily s'éloignent. Peter serre les dents, car, comme deux barres de fer, ses bras retombent douloureusement le long de son corps. La mère n'a pas compris dans quel état était son fils. La gare, arrivent Peter et Lily, toujours sa petite main sur la sienne. Un clochard les observe. Tous, actrices, voyageurs, Ping-Pong et son fils, montent dans le train. Le garçon de café prend la seconde et voit qu'Emma tient la tasse vide vers le bas. Il tire la tasse et s'aperçoit qu'Emma est morte. Vite, il va chercher son patron.
fauteuil voisin. Deux élèves actrices de l'école d'art dramatique de Lyon échangent leur opinion sur Al. Baby dit. Tu sais, Al, elle est très différente. Elle laisse parler tout le monde. Pour toi, il faut qu'on te laisse surtout parler. Il n'y a que ça qui compte. S'arrête à Valence. Igor, tout beau, tout défait, tout drogué, monte dans le train. Il traverse les compartiments des wagons. Arrivé à Péter, il s'écroule à côté de Lily. Elle le regarde, intriguée, mais avec mépris. C'est pas beau. À voir. C'est pas beau. À voir. Se soulève de son fauteuil et surveille attentivement chaque mouvement du jeune homme et de Peter qui le fouille. Case après case, Peter vérifie le contenu de son portefeuille et prend tout ce qu'il lui faut dedans. Je touche à l'herbe, je touche pas à la mort. Vous n'avez pas le droit. C'est mon papy. Il a tous les droits. C'est mon papa. Célébrité pour une heure encore. Est-ce que tu descends à Avignon? Pendant ce temps, le jeune homme essaie d'embrasser Peter, qui cherche à se sauver de cette intimité. Puis, Igor s'arrête une seconde et rêve, dans un cri sincère. Ah, à Avignon, nous allons tous, à la première, fêter. Al. Nous aussi. Nous aussi, à la première. Monsieur Ping-Pong entend Igor, le voit, enfin, se fige.